Partage d'expérience entre des femmes venues du Ghana et leurs sœurs du Burkina, particulièrement celles de la région de l'Est. L'association Nourrice, qui fait la promotion de l'agroécologie, a accueilli leurs consœurs ghanéennes du Rural Women's Farm Association. Foires culinaires et visites de sites maraîchers ont été les temps forts de cette rencontre. Fadan Gourma, Mahamadi Ouedraogo. Des femmes venues du Ghana sont en visite d'exploitation céréalière avec leurs sœurs burkinabè dans la région de l'Est. Cette visite de courtoisie, émaillée d'expositions de mets locaux et de semences locales, mais surtout de constats de sites maraîchers, a permis de tisser des liens entre ces femmes des deux communautés. We have learned much about gardening. Nous avons beaucoup de maraîchers. On a aussi le temps ancestral que le Ghana a abandonné, mais ça nous a suscité l'esprit de créativité. Donc nous allons nous mobiliser chez nous pour ne pas les abandonner, mais plutôt les adapter aux conditions climatiques actuelles, car c'est très important. L'initiative est de l'association Nourrissant Détruit, ANSD. À travers cette coopération, l'ANSD entend créer un cadre d'échange et de partage d'expériences en matière de prévention de semences locales. Le Ghana, avec nous, a un partenariat qui date depuis au moins quelques années parce que nous avons des projets communs sur l'autonomisation des femmes, nous avons des projets communs sur le rôle des femmes dans l'identification, la production, la préservation des semences locales. Donc nous pensons que c'est une opportunité aussi de les inviter pour que les femmes aussi puissent se connaître et chez et puis bon, s'enrichir mutuellement. Trois communes de la région de l'Est, à savoir celles de Tibga, de Bilanga et de Gaïri, ont abrité ces différentes activités de l'ANSD. Des activités qui s'inscrivent dans la dynamique de commémoration de la Journée internationale de la femme.